Je faisais tout. Tout. Contrairement à toi, parce que tu fais rien. Non, non. Bien, bien sûr. Tu grandis encore, non? Donc tu as grandi dedans. Maximum de vos vacances. Moi ça va, à part que j'ai recommencé mon intro je sais pas combien de fois, mais ça va, j'ai envie. Bref, je m'appelle Angel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Hello. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sans blague, bref. Et j'avais fait un sondage sur Instagram, donc si tu ne me suis pas sur Instagram, ok. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram et la majorité a voté pour cette vidéo, donc c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo maintenant. Donc c'était cette vidéo où les gens en étaient, du coup bah vous avez voté pour cette vidéo, c'est pour ça qu'on va essayer cette vidéo maintenant sur ma chaîne, peut-être dans un futur proche vous allez voir la deuxième vidéo. Du coup voilà, donc dans cette vidéo je vais vous parler des phrases favorites des parents africains, donc parents africains parce que je suis africaine, donc voilà c'est logique. Parce que je vais mentionner son dit par d'autres parents, et moi je vous parle de mon cas et du cas de la plupart de mes africains, du coup voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà voilà. Enjoy. Maman, je sors. Tu comptes aller où comme ça en fait? Donc dans tes yeux, t'es bien habillée, c'est normal ce que tu veux. Hein? Tu es sortie, tu montres la moitié de ton corps, pour toi c'est normal. Ha! Tu vas pas te changer, non, tu me regardes. Je sors. Tiens. Ah, c'est pour moi? Oh, merci maman. Bien rien. C'est grave grand. C'est trop grand, ça va pas m'aller ça. Ah, bien sûr. Tu grandis encore, non? Donc tu as grandi dedans. C'est moi, je peux pas t'acheter des habits tous les jours. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une grande taille. Comme ça, ça va t'aller pendant un long moment. Je sais pas, moi je pourrais pas mettre ça. Ah, écoute, t'es pas contente, tu me le donnes. Et j'ai trouvé quelqu'un qui serait heureuse de le porter. Ah, c'est quoi ça? Donc maintenant, j'ai fait mal de t'acheter ça. J'ai fait mal. J'ai mal fait. Clairement, j'ai mal fait. Merci. C'est ça. T'es jamais contente. Quoi qu'on fasse, t'es jamais contente. Angel, t'as fait tes devoirs? Oui, j'ai déjà fait mes devoirs, j'ai tout fait. T'es sûre? J'ai fait anglais, j'avais maths, j'avais français, j'ai tout fait. Même allemand, pour la semaine prochaine, j'ai fait en avance, j'ai tout fait. Donc maintenant, t'as fait tes devoirs. La première chose qui m'est traversée l'esprit, hein, la première chose, c'est de prendre ton téléphone. Mais j'ai juste filmé, c'est pour ça que je suis sur mon tel. Avant, j'étais pas sur mon tel. La cuisine, la vaisselle, t'as rien fait. Hein. La vaisselle, elle est encore sale. Tu as rien à nettoyer, même pas une cuillère. J'étais là, je suis sur mon téléphone, j'ai tout fini, ouais. Quand, donne-moi ton téléphone. Donne-le-moi vite. Fine. T'es une femme, Ninja, t'es une femme. Va faire quelque chose. Ah ah. Il est mort, il est sale. Mais elle va voir ça, elle va pas simplement. Comme si elle avait pas de yeux, je sais pas. C'est elle qui utilise le miroir le plus, c'est elle pour faire ses photos là devant les miroirs. C'est elle. Mais c'est ça, elle devait nettoyer. Ha. Oh, c'est pas comme si j'avais pas de fio. J'ai ici, mais elle veut pas faire. Même pour se faire à manger, elle fait pas. C'est pas le miroir qui va nettoyer. Hein. En 2 secondes, c'est fait. Mais même ça, elle fait pas. Toujours moi qui fais tout ici, toujours moi. Si c'est maman, y a personne qui fait. Après, on vous dire que je me plains. Maman, est-ce que je peux dormir chez ma copine, s'il te plaît? Donc maintenant, tu dormes chez ta copine, hein? Dans quel but? Pourquoi faire? Tu n'as pas besoin? Hein? Pour dormir, parce que je vais dormir. Pour dormir, tu vas dormir?
Si tu dois dormir, va dormir. Donc, maman, tu dors. Donc, tu viens pour me demander ça. Hein? Depuis quand est-ce que ça a commencé dans la maison? Depuis quand ça a commencé? Est-ce que moi je t'ai dit une fois que je vais dormir chez ma copine? Hein? Non, non. Angel. Combien de fois je t'ai appelé? Écoute-moi. Tu veux faire des trucs constructifs pour ta vie. Tu veux pas, je sais pas, moi, lire, prendre prendre un livre et lire. Tu peux pas. Hein? Moi, tu vois, tous les jours, je prends des livres. Tous les jours, je lis. Faire des maths. Fais quelque chose de constructif. Non, mais c'est pour aller chez ta copine. Tu la première à me poser cette question stupide. Tu la première pour me poser cette question. Écoute-moi. Hein? Tu vas aller nulle part. Attends, dis-moi, est-ce que aller chez ta copine, ça te rapporter de l'argent? Est-ce que ça te rapporter de l'argent? Non plus. Non. Le temps, c'est de l'argent. Donc arrête de perdre ton temps. Fais des trucs constructifs qui vont te rapporter de l'argent. Hein? Quand va dormir? Mais non, mais j'ai pas cru, mais va dormir. Hein? Je sais pas ce qu'elle fait pour moi ici, je sais pas. Si je dis pas de le faire, elle fait pas. Angel! Oui? Oui, ici. Tu veux quoi? Rien. Assieds-toi. Donc, tu fais rien? Tu sais, moi, à ton âge, je faisais tout. Tout. Contrairement à toi, parce que tu fais rien. Toi-même, cuisiner que pour toi, c'est déjà compliqué. C'est déjà trop. Juste pour cuisiner pour toi, hein, c'est déjà trop. Et moi, je cuisinais pour des autres personnes. Et en plus, je me plaignais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oh, waouh! Donc, même pour aller à l'école. Mmh. Parce que je suis allée à l'école. Hein. Moi, je suis allée à l'école. Si je voulais même maintenant, je pourrais être millionnaire. Je pourrais travailler où je veux. C'est juste que j'ai pris du temps pour t'éduquer, pour l'eau. Moi, quand j'étais plus jeune, je me réveillais à 2h du matin pour cuisiner pour les 19 personnes. Parce que oui, je faisais leur petit déjeuner. Et après avoir cuisiné pour les 19 personnes, je me suis à la maison. Puis après, je me préparais. Puis après, je marchais 2h pour aller à l'école. Du coup, je calcule. Fais le calcul dans ta tête. Je marchais 2h pour aller à l'école. Du coup, ça veut dire que je quittais la maison à 6h, logiquement. Donc à 16h, j'étais déjà dehors. Et tu vois. Et à 8h, j'étais à l'école. Et quand je rentrais de l'école, j'étais fatiguée. Mais je cuisinais encore pour les 19 personnes. Donc tu vois, tu n'as pas de raison, tu n'as pas d'excuse. Parce que là, pour moi, je faisais beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc toi, tu me dis, je suis fatiguée, nanana. C'est des excuses à 2 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, soit je veux que tu sois plus active, je veux que tu te réveilles, tu vois. Parce que t'es une femme, mais bientôt tu vas quitter cette maison et je veux que tu sois, tu vois. Donc, je veux pouvoir plus en train de faire des choses de domestiques, tu vois. D'accord. Ok? Ça ferait du bien. Angel, t'as mangé? Non, j'ai pas encore mangé. Je sais pas quoi manger en fait. Tu sais pas quoi manger. Hein? Tu sais pas quoi manger. Il y a la nourriture partout dans la maison. Tu ouvres les armoires, tu ouvres le frigo, tu sais même plus où regarder tellement il y a beaucoup de nourriture. Toi, t'es là, tu ne sais pas quoi manger. Parce que c'est ton téléphone qui va te nourrir. Ton téléphone, maintenant, il va te nourrir. Ou c'est ton téléphone que tu veux manger. Je sais pas. Hein? T'es là sur ton téléphone matin, midi, soir. Hein? Quand tu as de l'argent, t'es la première à aller manger dehors, au resto, au McDo, t'es la première. Et maintenant qu'il y a la nourriture à la maison, tu dois manger. C'est même toi qui me dis ce que je dois acheter. Tous les ingrédients sont là-bas dans la cuisine. Tu n'as même pas touché un ingrédient. Tu n'as rien touché. Moi, je veux casser mon argent pour acheter de la nourriture, mais tu fais rien. Hein? Donc c'est moi qui dois te nourrir maintenant. Moi, je vais travailler, je vais acheter, et c'est moi encore qui dois cuisiner. Tu veux pas t'aider, tu veux pas t'aider. Hein? Tu grandis. Les petites choses comme ça à cuisiner, t'es censé savoir faire ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? It's laziness that is doing you. Pas attendre jusqu'à ce que je vienne te servir un plat sur un plateau. Non. Tu grandis en fait, tu grandis. Combien de fois je vais te dire ça? Avant que je ouvre mes yeux, je veux que tu sois déjà dans la cuisine en train de préparer quelque chose à manger. D'accord. Après, ça veut dire que je ne nourris pas. Oh wow, beaucoup de nourriture en effet. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense que vous avez kiffé cette vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un max de pouces bleus aussi. Partage avec tes amis, avec tout le monde, avec tes parents surtout, s'ils ont tendance à dire certaines de ces phrases. Voilà, et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à liker.
lâcher un maximum, mais aussi de vous abonner un maximum. Comme ça, moi, je ne me dis pas, vous allez me dire cette vidéo. Et bah, logiquement, je vais faire une deuxième partie. Donc, montrez-moi que vous voulez voir une deuxième partie. Sinon, voilà. Bref, vous allez me voir, enfin, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Mon Instagram, je vais le mettre juste en bas. C'est iaminjob.nm. Voilà, allez checker les photos. Voilà. Donc, il y a aussi quelques informations supplémentaires sur moi dans la barre de description. Donc, vous allez checker ça si vous voulez. Si vos parents ont tendance à dire votre âge, vous pouvez aussi les dire dans les commentaires si vous avez aussi d'autres vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Aussi, les dire dans les commentaires. C'est comme vous voulez. Et ouf, par contre, il fait trop chaud. Ah, voilà, je vous aime fort et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearl.